Vice-présidente du tribunal d'Évry, Céline Balleruni a été fortement affectée par la mort atroce de la jeune Laetitia. Mais elle sent bien qu'un délinquant pourrait encore passer au travers des mailles du filet de la justice. À Évry, il manque un juge d'application des peines. Les magistrats ne sont que 8 pour s'occuper des 2300 détenus de Fleury et traiter un millier de dossiers. Alors, la jeune magistrate a été ulcérée par les propos du chef de l'État. C'est une situation qui a été signalée. Donc encore une fois, le jour où les magistrats ont émis des rapports, ont décidé de les faire passer par la voie hiérarchique, précisément, ils ont pris leur responsabilité en expliquant pourquoi ils n'étaient pas à même de traiter tous les dossiers. Ce qu'on regrette surtout, c'est que s'il y avait eu les moyens qui avaient été réclamés par les collègues, probablement que cette situation ne serait pas arrivée. Avec seulement 10 greffiers pour les assister quand il en faudrait 16, les magistrats d'Évry alertent sur leur difficulté à détecter la dangerosité d'un individu. À Fleury-Mérogis, chaque conseiller d'insertion encadre 90 détenus. C'est toute la chaîne judiciaire qui travaille à flux tendu, psychiatre y compris. À Fleury-Mérogis, pour qu'un détenu puisse rencontrer un psychiatre, il doit attendre en moyenne de 2 à 3 mois pour son premier rendez-vous chez un psychiatre. Aujourd'hui, on est face à ça, face à des experts qui, quand ils expertisent un détenu, ils l'ont vu 20 minutes en détention. Les magistrats d'Évry reconnaissent que certains délinquants sexuels sont incurables, mais ils se refusent à les qualifier de monstres seulement bons à être exclus de toute humanité. Pour eux, l'application des 6 lois qui viennent d'être votées en 6 ans permettrait déjà d'améliorer le suivi et la détection des individus les plus dangereux.